Bonsoir, Sœur Grâce. Oui, j'ai fait un songe concernant le frère Junior. Dans ce songe-là, je te plaçais. En fait, j'ai vu le frère était dans un endroit comme à la présidence, dans un endroit comme administratif, quoi. Il y avait des hommes en tenue. Donc, ils avaient une certaine tenue. Ils pouvaient sentir que c'était les gars, les gens de l'armée. Et que le frère était de ce corps-là, en fait. Il était avec eux parce qu'ils avaient la même tenue. Et derrière lui, il y avait des gens, il y avait des autres, toujours ceux qui avaient la même tenue, mais derrière lui, ceux-là étaient avec lui. Et devant, il y avait ceux qui étaient devant lui, étaient contre lui. Et ils avaient croisé leurs bras vers le bas, donc on peut dire que, ah, on l'observe, on attend seulement. Et il y avait un mot quand il prêchait, puisqu'il était en train de prêcher, le frère Junior était en train de prêcher la parole de Dieu. Il prêchait. Quand il prêchait, il y avait un mot qu'on attendait que dès qu'il relâche le mot-là, on va se saisir de lui, on va l'arrêter pour l'accuser de outrage au président de la République et incitation à la révolte. Voilà. Et le frère Junior, il savait. Qu'ils attendent cette occasion pour l'arrêter. Il a continué à prêcher. Il a d'abord levé la tête, les a regardés. Après, il a baissé la tête en souriant. Et puis, il a continué à prêcher. Au moment où le mot est venu pour sortir, quand le mot est sorti, ils sont venus, ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Ils ont pris ses deux mains. Quand ils ont pris ses deux mains, moi, je passais de l'autre côté. Donc, c'était un peu comme il y avait un portail. Et je pouvais voir au travers, dans le même portail, il y avait les grilles, je pouvais voir au travers. Quand je l'ai vu, il m'a regardé. Et je lui ai dit, tu as besoin de quelque chose? Il me dit non. Qu'il a juste besoin que je m'avais dit à sa femme. Il me dit, va dire à la sœur Grâce. Maintenant, moi aussi, je me précipite à la maison pour voir la sœur Grâce. Quand j'arrive, je vois la sœur Grâce assise avec Maman So, en train de partager. Quand je regarde la sœur Grâce, elle me regarde. Je sens qu'elle est déjà au courant. Je lui demande, tu es déjà au courant, non? Elle me dit, oui, je n'ai pas besoin que tu me dises. Quand elle dit ça, je vois comment elle était en train d'apprêter ses choses pour aller le rejoindre où on s'est saisi de lui. Et moi, je ressors. Je ressors, je repars là-bas, dans celui-là. Quand j'arrive, je me rends compte que les deux camps, les militaires, là, étaient en train de discuter. Il y avait une discussion entre eux, donc il y avait un peu comme un tumulte parmi eux à cause de ce problème-là. On te disait, non, ce n'est pas lui, il n'a rien fait, ce n'est pas à cause de lui, ce n'est pas lui le problème. On te disait que non, c'est lui, c'est à cause de lui. On te disait que non, c'est pas ainsi de suite. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'était devenu leur problème, donc entre les deux camps-là. Et lui, il était à côté. Et il pouvait sentir que lui, on l'avait plus inquiété. Et ils ont discuté entre eux. Et c'est comme ça que moi, je suis parti. Quand je suis parti, et puis je suis sorti de ce songe-là. C'est comme ça. Donc, bonsoir.